Bonjour, je m'appelle Cherté Janssen, alias Tizi Mannequin. Je suis mannequin, modèle photo et je vis au Sénégal, Dakar. Bon, j'ai toujours rêvé d'être mannequin quand j'étais petit. Et puis, quand j'étais dans les écoles, mes amis me diraient pourquoi pas faire le mannequin parce que tu as le profil. Bon, mes débuts étaient un peu difficiles parce que bon, il y avait mon grand frère qui ne voulait pas que je fasse le métier. Et puis après le bac, bon, j'ai atterri à l'agence Mannequin Dakar qui est à Wakam. Et puis c'est là-bas que j'ai commencé. C'est là-bas aussi que j'ai fait mon premier Fashion Day. Bon, le début que j'ai rencontré, et puis c'est parce que quand je partais dans les castings, les gens ne te prenaient pas et puis les mannequins ne te prennent pas au sérieux. Et puis quand j'ai publié mes photos sur mon page Instagram, puis les gens ont commencé à les préjuger et de dire de n'importe quoi sur ton dos et le mannequin. Et puis voilà, mais il faut savoir ce que tu veux. J'étais avec mon agent mannequin Dakar. J'avais peur parce qu'il y avait beaucoup de monde. Il y avait aussi des mannequins professionnels et qui ont même défilé à la Fashion Week. Et puis le jour-là, j'ai tremblé, mes pieds tremblaient, je ne pouvais pas. Et je me suis dit, c'est le jour que ça passe ou bien que ça casse parce que je le veux. Je veux le métier, c'est ma passion. Pourquoi pas oser? C'est au festival de Toubarouta et au Sine Saloum. Et j'ai créé une show que j'ai défilé ici à Dakar, au CICES. Et c'était formidable et ça m'a boosté aussi. Bon, la journée de mannequin lors d'un défilé, et le backstage, j'aime bien avec les maquillages, les mannequins, c'est un peu drôle. Et c'est amusant de voir tes amis qui sont là, qui se préparent avant le défilé. C'est chez les shoots aussi que je fais avec mon styliste, mon design, et qui est accessoiriste aussi, et aussi mon photographe Pierre qui m'ont beaucoup boosté. Et puis voilà, et je pense que ces photos aussi m'ont donné une certaine autorité dans le passe de la mode, parce que dans ce monde, il y a beaucoup de profils, et puis il faut essayer aussi de se démarquer. Bon, les préjugés, parce que tu sors, les gens te regardent du mauvais œil pour dire que il est mannequin, il est ton homme, il est mannequin. Et puis voilà, je peux essayer de l'occasion de dire aux jeunes Sénégalais que le mannequin c'est un métier noble, c'est un travail aussi. Mais de dire n'importe quoi dans le dos des autres, bon, c'est pas du tout bon. Parce que le métier du mannequin c'est tellement difficile et c'est un métier noble aussi. Bon, je suis assistant en ressources humaines parce que j'ai suivi cette formation en gestion des ressources humaines. J'ai aussi ma licence. Bon, mon idole, bon, je suis les internationales sénégalais, les mannequins sénégalais comme Alpha Dia, où je puise aussi des notions aussi dans le mannequinat, parce que dans le domaine du mannequinat, il ne faut pas être narcissique. Je suis aussi les autres comme Serigne Lam et tout le monde. Bon, j'écoute le plus souvent les musiques africaines. Bon, mon plat préféré, c'est le tiébouguen. J'aime bien le tiébouguen. En fait, je peux dire que par rapport aux Sénégalais, bon, ça va, mais on a que la Fashion Week, la Dakar Fashion Week. Bon, sinon aussi, on avait beaucoup d'événements par rapport aux autres pays, comme le Nigeria, qui fait un grand pas en avant dans le domaine de la mode. Et puis, voilà. Il y a des gens qui gaspillent le métier, en fait. Parce que bon, moi, par rapport à moi, je prends l'exemple à moi. Moi, quand je suis dans un événement, je défile, je rentre et puis voilà, j'ai fait des pauses. Il y a des choses que je n'accepte pas dans le métier. Si, il y a les tentations que tu dois fuir. Et puis là, le mannequin, il faut avoir une certaine personnalité. Bon, mon projet, c'est de défiler dans les plus grands marques en Europe. Et voilà, et je peux aussi devenir un ambassadeur des enfants. De défendre la cause des enfants, ça a toujours été mes rêves. De travailler beaucoup, de bosser parce que le mannequin n'est pas un métier tellement facile. Et de bosser, de croire en eux aussi, de fuir certains événements aussi.
d'être concentré dans le travail. Et voilà, ça sera tellement ça boostera votre image et de rester certain d'être soi-même, d'être naturel.